Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sapma pour la caille. Si vous passez bon ici la première fois, vous avez un bouton subscribe en bas. Vous appuyez le bouton subscribe là pour être capable de vous connecter avec nous. Est-ce que Haïtien qui est déporté, qui est en Haïti, dans le cadre d'événements qui sont passés dans le Rio, est-ce que vous êtes capable de tourner aux États-Unis? C'est une question que vous avez posée. Pourquoi vous avez posé une question que vous avez posée? Parce que tout simplement, nouvelle là, il y a un groupe haïtien qui traînait l'administration Biden dans la justice. Il est dans le tribunal. Il lance un lawsuit. Lawsuit ça, c'est sous traitement que l'immigrant est suivi. Il raconte en détail dans quelles conditions qui était dans le camp. Et il parlait de justement confrontation avec officiers qui étaient sous chevalier d'après lawsuit ça et mauvais traitement qui ont été subi en bas mais. Et donc ça t'a dit et yo même mandé pour que yo t'a permettre yo retourner normalement pour y demander asile Jean Sadoué. OK, et maintenant on a rappelé que gagne des images qui dures capable soutenir argument yo et des monde qui t'est obligé de traverser al Mexique caché ti manger puisque tu gagne madame ak petit en bas pont hein? Et gagne Mirage Joseph a expliqué l'idée al Mexique pour la chercher ti cal manger pour mari la madame ni. C'est à ce moment là du grand border patrol qui sous cheval dans le Rio justement qui traînait dans collette del Rio et menait le Mexique. Traitement monsieur Joseph là qui c'est en fait un haïtien qui sans papier qui t'a cherché asile et qui au grand temps déporté l'autre haïtien encore l'événement ça qui passe en septembre eh bien et d'après rappelons que et d'abord grand fédéral investigation qui sous monsieur Acheval ça c'est grand pile d'image qui déparait un peu de monde de critiquer jusqu'à présent et il y a beaucoup bail résultat investigation ça syndicat et border patrol yo connaît. Et yo même yo mettait ensemble y a défendre monsieur yo dit monsieur était job il t'a fait même et c'est job il t'a fait il pas faire avec moi et Jean-Miguel raconte histoire là et lorsque ça qui n'a pas bloqué fait lancer les lundi qui passé là contre gouvernement dans district côte de Colombia et là dans nous gain monsieur Joseph qui dit que yon âge et il était en fait côté était photo justement côté que eh bien yo censé pour un assaut pour tirer et pour pousser et c'était une expérience assez humiliante monsieur avait expliqué dans le sous ça pour il avait expliqué expérience li et 10 dans l'autre haïtien pendant de Rio pendant expulsion complètement il a accusé gouvernement de abus physique abus verbal de traitement inhumain et refus de s'annuler les doux process et en bas le roi public health ça nous les état tel qu'en dès que vous faites qui bail border officiel autorité pour et déporter ou expulser ou et sans yo pas justement tendre yo sous base de pandémie coronavirus et migrants en fait haïtien ça représenté par Immigrant Advocate Organization Justice Action Center Asian Bridge Alliance Innovation Law Lab c'est toute institution. C'est une institution ça qui représente le groupe haïtien ça qui a cherché réparation et pour ça qui est passé et justement Del Rio dans mois de juillet lorsque ça dit administration Biden non et il était au courant t'a parlé un flux migrant qui t'a venu de manière délibérée il pensait qu'il pas fait des démarches pour des préparations humanitaires par rapport à ça décision stratégique et il dit et il était fait justement pour être capable de décourager le monde. Avec l'autre bagaille, ils ont demandé tout pour yo permettre de retourner aux États-Unis pour rester là pour qu'ils puissent faire des demandes d'asile. Photographe Joseph, qui c'est une photo plus publiée, et d'autres encore dans Del Rio qui ont soulevé un peu de critique sur l'administration Biden, enfin, qui ont une réponse pour le débat avec des milliers d'immigrants qui ont traversé les frontières illégalement et pour aller aux États-Unis. Et quel que soit le résultat de ça, plaintif dit et il faudrait que
Et ça, on va le raconter yo, pour que vous capable de faire une grosse investigation dans l'événement de Del Rio et qui sous exécution de Custom Border Protection. Au plan de sécurité du département, dit l'office TIA actuellement a révisé l'image pour deux mauvais comportements possibles et interviewer témoins. C'est ça, vous avez Border Patrol employé, senior leader et non border, custom border protection. C'est ça qu'a fait dans ce moment-là. Donc voilà, et mon pile qui dit que yo même officier qui sous cheval qui utilisait effectivement cordio pour justement tirer sur mon yo, un bagage qui illégal. Il y a un autre plaintif qui dit que l'itéré border patrol l'agent qui t'a battu mon noir même pendant que mon yo était de Rio. Et il y a un calcul qui dit qu'on est haïtien ou te met ton code. Il est capable de traiter dans l'eau. Il y a un border patrol qui coupe le code là. Il dit que mon yo est dans l'eau. Par contre, il comprend. Et bien, il est chargé. Il est dans l'eau. Ok? So, vous comprenez? Et il coupe le code là justement pour mon boire de l'eau. Ça y est pas instant. Ok? Et donc, et c'est justement comme ça, c'est comme ça, et situation. Et donc, Maison Blanche parle gagner pour le bail, pour le bail réponse par rapport à l'accusation qui fait contre lui-même. Et ils ont critiqué l'autorité américaine qui va pas en quelle mesure de planifier l'arrivée des demandeurs d'asile. Pour les gens qui ont reçu, ils ne vont pas en quelle planification. Et donc, c'est comme ça, justement, situation, ça y est. Et nous dit, effectivement, qu'il y a une éventualité pour que Mounsayo est capable de venir aux États-Unis. Mais bon, ne serait-ce qu'à ce que tu as répondu à une question, puisque je l'ai offert au fond, il y a besoin pour répondre à une question. Donc, on sait qu'il y a un peu de chance, effectivement, pour que tu aies une chance d'entrer par Boïsite aux États-Unis. Donc, et nous-mêmes, nous te prenons le soin pour nous te partager l'info avec vous.